Français à la petite semaine. Rachel Corambly, Cécile Bonbon. Jeudi. Un peu de littérature. L'avenue Victor Hugo s'étale sur des kilomètres et papa résiste à la tentation de passer dans la voie de bus. Je le vois bien, à la façon qu'il a d'empêcher son volant de tourner vers la droite pour se glisser dans le couloir vide. Il parvient à se contrôler. Mais dans la rue Voltaire, il double, par la droite, une autre voiture qui fait du surplace. Au rond-point François Mauriac, il tourne sans mettre son clignotant. Il oublie de prendre la rue Georges Sand, alors il s'engage dans la rue Guy de Maupassant qui est à sens unique. Toto se cache le visage derrière les mains, je fais semblant de ne pas reconnaître les panneaux. Boulevard Émile Zola, il cale brusquement, ce qui crée un embouteillage et je vois le monsieur de derrière s'énerver et s'agiter derrière son pare-brise. Il ignore que papa transpire et tente de nous rassurer en répétant « Tout va bien, tout va bien, tout va bien. » Rue Balzac. On passe à fond sur le dos d'âne parce qu'il n'y a personne. C'est comme un petit miracle. Et papa en oublie le ralentisseur. Les amortisseurs de la voiture gémissent et Toto et moi, on rigole à cause du décollage. Notre école, elle se trouve rue Saint-Exupéry, juste derrière le square Paul-Éluard. En direction de la bibliothèque Jacques Prévert. Après, qu'on n'aille pas m'accuser de manquer de culture générale.